Cette année, vous l'aurez compris, c'est la grande année Rodin avec la célébration du centenaire de la mort du sculpteur. Hasard du calendrier ou coup du destin, eh bien, c'était le timing parfait pour rendre hommage à sa muse, son élève, sa collaboratrice, son amante. On parle là, évidemment, de Camille Claudel. Et j'ai envie de dire, il était temps, parce qu'il aura fallu plus d'un demi-siècle pour reconnaître son génie, elle qui était restée trop longtemps dans l'ombre de Rodin. Et c'est pas par hasard, hein, si tout se déroule ici, à Nogent-sur-Seine, puisque c'est ici qu'a grandi Camille. L'espace consacré est immense. On parle de 2600 m² d'exposition bénie par la lumière du jour. Ça nous donne l'impression d'être entré dans l'atelier de l'artiste. En tout, on va pouvoir admirer une cinquantaine d'œuvres de Camille Claudel. Il faut savoir que c'est la plus grande collection au monde, avec des œuvres qui ont mis plus de 15 ans à être enfin réunies. Et c'est vrai que quand on pense à Camille Claudel, eh bien on pense immédiatement à son amour tragique avec Auguste Rodin. On pense aussi aux 30 dernières années de sa vie qu'elle a passées dans un hôpital psychiatrique, dans l'indifférence générale et la solitude la plus totale. Mais est-ce qu'on connaît vraiment son travail? Et ici, eh bien, on va enfin pouvoir mesurer son talent. Et autant vous dire qu'on prend une très grosse claque quand on se retrouve nez à nez avec tous ses chefs-d'œuvre, comme sa valse troublante, hypersensuelle, l'âge mûr où on voit sans doute son amant de 25 ans, son aîné, suivant cette vieille femme, sans doute rose, et abandonnant l'amour suppliant. On verra aussi l'aurore, la petite châtelaine, la vieille Hélène, l'inspirateur au final, n'est peut-être pas celui qu'on croit. En tout cas, la question reste ouverte. Et une chose est sûre, eh bien, c'est que c'est une chance inouïe de lever le voile sur le talent d'une artiste étonnamment restée dans l'ombre.